Salut tout le monde, c'est Claire Solis, donc on se retrouve pour la suite de Borderlands et Pre-Sequel. Donc. Oh. À l'arme qui vous accompagne. Oh bah très bien. Putain, c'est vachement agressif en fait, tous les personnages qui commencent à vous parler dans le jeu. Donc. Comme j'ai fait une petite session, j'en profite d'être à peu près frais et dispo. Pour voir s'il n'y a pas moyen d'en faire une assez longue aujourd'hui, histoire d'être un peu tranquille. De toute façon, je suis en train de penser que je suis obligé d'en faire une assez longue, vu que bah, on, là, je tourne le jeudi matin, donc c'est le jeudi soir. Et ben, il n'y a pas beaucoup plus frais comme vidéo sur ma chaîne. J'ai joué un peu vite fait, là, du coup, pour le transfert de flingue et tout, bah, juste avant. Et là, quand même, de retomber à 25 FPS, alors tout à l'heure, j'étais bien haut. Bah, ça pique un peu, hein. C'est... Alors... Cette annonce. Donc, comme j'ai dit, j'ai transféré quelques flingues. Alors, malheureusement, bah, j'en ai qu'un seul qui soit vraiment... C'est vraiment balèze. Plan que ma voix pète les plombs. Tout va bien. Afin de les revendre, donc, ces flingues, et de pouvoir m'acheter des armes blanches. Et comme ça, faire plus facilement la quête aux armes. Qui, je rappelle, consiste à donc donner des armes blanches. Au révolutionnaire de Pandore de je ne sais pas quoi de mon cul qui sert à rien. Alors, attendez, ça déjà ça me sert à rien ce sniper, je sais pas d'où il sort mais il me sert à rien. Ça, ça peut servir. Ça aussi. Voilà, hop. Ça c'est de la... ça c'est du caca ça. Niveau 10, je suis niveau 12. Enfin après j'ai pas d'autres pistolets quoi. Donc ça, c'est à vendre, ça, c'est à vendre aussi. Cet engin là. Je sais pas. Ça, c'est à vendre aussi. Ça, c'est du kéké. Et puis voilà. Alors, du coup, on peut acheter des armes blanches. Oui, voilà, ça coûte pas très cher. Mais je me dis un truc. Je me suis dit un truc. Ça va être plutôt que d'acheter des armes blanches. Est-ce que ça serait pas un peu plus marrant de faire de la machine à sous? Bon, vous me direz, ça prend plus de temps, mais... Ah, les bénéfices peuvent être intéressants. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pendant cette phase de machine à sous? Ah, en plus, je sais que je voulais vous dire un truc. Je sais plus quoi. Ah oui, dans la vidéo, il n'y a pas eu de grésillement du Yeti Blue. Bonne nouvelle. Ouh, ça me semblait pas mal ça en plus. Donc plutôt cool. Alors du coup, je me demande d'où est-ce que ça venait, ces grésillements à la con. Soit c'est juste un coup de bol, mais qu'en fait, effectivement, le machin est en train de fatiguer. Que ça va être vachement long. Je pense que je risque de faire une ellipse en fait. Voilà, là, il y a du flingue blanc. Merde, bah, j'ai plus de place du coup. Bah, j'allais revendre des choses. Ah, ça me fait chier, j'avais pas intention de faire une ellipse. Ah. Les flingues, merveilleux flingues. C'était pas trop dans mes plans. Alors, on est à 370 x 3. On est à moins. Ah, ça c'est vachement plus efficace que cet engin là. Faites 9 x 5. Oh, c'est un peu moins bien, je trouve. Moins puissant. J'achète toujours les flingues à la limite. C'est le plus gros laser que j'ai jamais. Feu que les coffres à truc iridium machin je sais pas quoi. Pour booster à coup le sac à dos, ça aidera.
va commencer tranquille. De toute façon, la limite, là, je vais encoder juste derrière. Enfin, j'ai pas montage juste derrière. Donc, du coup, je serai que je pourrais vous laisser un peu plus de temps sur la première vidéo. Ça posera pas de problème. Ça contrebalancera un peu, on va dire. Ouais, au final, j'obtiens plus de flingues. J'ai des chances de tomber sur des trucs sympas, peut-être. Et bah, en plus, ça me coûte moins cher, quoi. Donc là, en fait, si je fais comme ça, je suis tranquille pour un moment au niveau armée blanche, quoi. Oh, 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 dommage. Ah, il est juste au-dessus, en plus. C'est la qui a merde. C'est combien de place? Il me reste encore une place. Oh bah, pff, un petit SMG de glace, pourquoi pas. Voilà, allez hop. Ouais, voilà, 5 minutes de machine à sous. Hein, c'est pas... Vous pouvez faire confiance à l'arme qui vous accompagne. C'est pas trop... Alors ouais, on va voir, qu'est-ce que ça donne ce SMG là. Ouais, c'est pas un SMG de ouf, mais... Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. C'est toujours un plaisir de traiter avec un chasseur de l'arche. 2, 40, 58. Ouais, bah, d'accord. Alors, il y a un peu plus de cadence, mais bon, pour un de cadence en plus, on va pas chipoter, surtout qu'il y a moins de précision. Avec quelle vitesse ça tire ces machins, je préfère autant avoir de la... De la précision, quoi. Allez, bon, on est reparti. Donc, au programme, on a le Zap 2.0, on a l'écolo Barjo, et on a la broyeuse. Ah, par contre, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir les... Oh, c'est pas mal, ça. Ah, mais c'est un Hyperion, bon, c'est un peu chiant, en plus, c'est une carrosse de merde. Tout à fait. Alors. Environnement à atmosphère nulle. Il y a que la dernière des andouilles pour refuser un véhicule Munzumi. T'es une andouille, toi ? Non, mais bon, tes véhicules Munzumi sont sympas, mais le buggy, c'est de la grosse merde. Hein. Ah, mais franchement, quoi, la dernière session, j'en revenais pas, quoi. Juste au moment où je dis que le buggy, c'est de la merde, je finis comme un con dans le vide. C'était juste parfait. Hop là. Toutes ces petites quêtes là. Oula. J'ai eu un gros flash blanc. Ça se passe par ici. En plus, au passage, on va peut-être pouvoir du coup choper un. Un pompe légendaire. Je suis en train de me faire tout le machin à la tête parce que bon, je me suis levé il y a pas longtemps. Ça va, cette fois-ci, j'ai bien dormi. Les sources du Front de Libération nous ont averti que certaines créatures indigènes qu'on appelle des croquignous, je sais pas ce que c'est, mais leur nom est charmant, sont anéantis, de même que leur habitat naturel, par une horrible vase. Nous devons mettre... C'était une raffinerie de dalles avant la grande fissure. Naturellement, comme nous sommes sur Elpis, d'horribles pillards se sont installés. Sois sans pitié. Voilà, je sais pas pourquoi elle s'est coupée la parole toute seule. Oui, j'ai un peu... Donc, je suis quand même réveillé il y a pas trop longtemps, donc j'ai encore un peu les idées floues, mais... On devrait réussir à faire l'aller. Au jour. Allez. J'aurais pas commencé à jouer avec... sans filmer parce que vraiment quoi, la précision du coup c'est pas du tout la même, hein. Tu ne les as pas épargnés. J'adore entendre le fracas des balles contre les os, le déchirement du chair, les râles d'agonie. Moi je me dis que je fais une vraie différence. Merde, le triple con, j'ai oublié d'aller faire la quête aux armes. Oh, le triple con. Bon bah c'est pas grave, on va se taper un surchargement en plus et puis retaper des bandits, hein. Ah bah merde. La preuve que je suis pas encore super bien réveillé, hein. Enfin, ça va au moins, j'ai un peu d'énergie.
Mais bon, faut pas trop en demander, quoi. Allez. Voilà, en plus, il y a un truc de véhicule juste en dessous, donc ça va, ça ira. Ouais, c'est parce qu'en fait, je me suis vraiment dit, je vais passer dans la tête les quêtes qu'on devrait vraiment faire dans cette session, et donc du coup, bah, je suis directement allé comme un teubé. C'est pareil. Ouais, ça passe. Parce que nombre de fois où le machin il vous fait des feintes à cause des sauts à la con, c'est quand même violent. Je regarde tout de suite, je vais utiliser quasiment que le deuxième véhicule pendant tout le long du jeu. Hein. En plus, je le trouve limite plus puissant que dans le Borderlands 2. Je trouvais que le deuxième véhicule, le véhicule de bandit, était quand même clairement moins puissant, quoi. Je trouvais moins intuitif, plus gros, plus lourd. Je sais pas. Ils partiront au combat avec une vigueur renouvelée. Voilà, ça fait pas mal d'armes là. Et encore, c'est vrai que j'aurais pu en plus mettre mes armes dans le coffre pour obtenir encore plus, mais bon. Ah non, ça aurait été débile. Après, j'aurais dû venir jusqu'ici sans armes intéressantes. Bon. Bref. Catastrophe. Les armes que nous avions trouvées ont été volées par des bandits sans pitié qui utilisent ce butin pour saccager la lune. Je t'en supplie, retrouve-les et récupère nos biens. J'envoie leurs coordonnées sur ton système écho. Alors, du coup, on va peut-être reprendre la quête aux armes, histoire de voir où est-ce que c'est. Bon, eux, on s'en fout, ils vont se mettre sur la gueule avec les espèces de méduses volantes, ils seront très contents. Allez, crevez, tas de merde. Ça va, mon véhicule, il tient le coup. Ah, la douceur explosive de la justice. Merci, chasseur de l'arche. Tu peux les rapporter au centre des dons. Je sais plus combien il y en a de petites quêtes comme ça pour la quête, pour aux armes. Je crois qu'il doit y avoir 5 ou 6. Ah là là, oh mon dieu, je me fais tirer dessus. Ouh loulou, qu'est-ce que j'ai peur. Mais il est où? Ah! Il y a fait. Du coup... Bah non, j'ai pas de nouvelles armes à donner, je suis con. Allez, bon du coup on se casse. Et on va faire nos quêtes. Hein, parce que bon, voilà. Bon, quand même déjà 18 sur 50, hein. C'est pareil. Ça a été vite. Du coup, limite la quête, je pourrais la fermer maintenant. Ah, non, allez. C'est pas ce que j'ai prévu pour cette session. À la limite, on fera ça en fin de session si j'ai encore du temps et tout. Avec quelques ellipses peut-être. Quand j'ai la voix enrouée, quoi, j'ai encore la voix endormie, quoi. Elle est encore dans le pâté. Et puis je vais pas boire de l'eau parce qu'en fait, il s'avère que, effectivement, normalement, quand vous avez la voix enrouée. Ils ont averti que certaines créatures indigènes qu'on appelle. C'était une raffinerie de dalles avant la grande fissure. Naturellement, comme nous sommes. Tu as déjà dit ça, quand même. D'horribles pillards se sont installés. Sois sans pitié. Sont pas hip-hop ? Bah tant mieux.
Ah, je me disais aussi, j'ai entendu une porte qui s'ouvre. Non. Bon, bah, tant mieux. Alice Wan, agent de dalle pour les nettoyeurs Stop Dash. Ah, si maman me voyait. Enfin, j'ai besoin d'argent. Emily est toujours malade, et c'est pas comme si l'univers prodiguait des soins gratuitement. Mais bon, on tombe quand même sur pas mal de ragots à ramasser derrière les gros bonnets de chez Dal. C'est toujours mieux que de lire un livre. Mais on m'observe, je le sens. Est-ce que j'aurai un stalker? Genre le vieux bruit de pastèque que ça fait quand on remet des headshots, quoi. Et que la tête explose. Ils sont clairement pas à niveau, hein, la vache, je gagne que 6 expériences à chaque fois que j'en bute un. Ah, c'est pas comme ça que je vais arriver niveau 50, hein. Alors... Une arme blanche pour le front de libération. Bon, ça c'est de la merde. Alors, plutôt que continuer directement... On va aller par là, parce que normalement... Ouais! Par ici, il y a un petit flingue à aller choper. Bon, normalement, à ce niveau-là, vous êtes pas sans... Si, si c'est votre première partie, vous n'êtes pas censé pouvoir le prendre, mais... Comme c'est ma deuxième partie... À moins qu'il y ait une restriction de niveau... Excalibur, arme légendaire, serez-vous une assez grosse brutasse? Ça, j'ai eu du mal, quoi. Eh oui! Je suis une assez grosse brutasse. Alors, level 12. Oh, ça fait quand même des bons dégâts. Hein. Ça fait quand même des bons dégâts. Bon, normalement, le flingue est pas topi top non plus, quoi. C'est bon, voilà, quoi. C'est... Ah merde, c'est pas un pompe, c'est vrai, c'est un laser, je suis con. Parce que donc, pour choper cette arme, il suffit en fait tout simplement d'avoir un niveau de brutasse au-dessus de 2500. Sauf que comme vous avez peut-être pu le voir, bon, je suis un bordel pas possible avec ma chaise, je suis à 3161. Voilà. Et en plus, j'ai un mètre. Alors. Donc, niveau 12, ce sera pas très intéressant. Hein. C'est pour ça que par exemple, sur Bidon, je peux farmer un pompe qui peut être très intéressant. Mais quand on chope, c'est niveau 10, et au début on chope des niveaux à vitesse grand V. Je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment la gorge qui s'enroue. Voilà quoi, avoir des flingues... Merde. Avoir des légendaires en début de partie, c'est pas très intéressant. Quoi. Mais bon, comme de toute façon, je peux le choper là, et puis qu'après... Quoique si après, peut-être la zone, elle me monte de level, je suis pas sûr. Enfin, de toute façon, je pense que je l'ai chopé au niveau auquel j'ai chopé, quoi. Mais de toute façon, j'ai... de tête, c'est pas une arme qui était très intéressante, même quand je l'ai au niveau 30. Ça marche quand même bien, hein. non, d'accord. J'ai cru voir un... Comment ça s'appelle? Une espèce de portail électrique, vous savez, ce qu'on doit exploser pour accéder à genre un coffre. Alors...